crois que j'ai souffert. Les yeux révulsés à l'envers. Tué par les Chinois d'un coup de couteau dans le foie. Le rhinocéros qui vient d'arriver au musée de zoologie a dû souffrir parce qu'on retrouve des traces de couteau sur ses côtes. Donc on ne sait pas comment il est mort. Peut-être qu'effectivement il a été ou bien chassé ou bien a des traces. Oui, des traces de couteau sont peut-être des traces de dents. Ça, je ne sais pas. Il faudrait demander à Olivier ce qu'il en pense. Moi, je travaille au musée de zoologie. Comme conseiller scientifique, je travaille sur l'entretien et sur l'enrichissement des squelettes des mammifères vertébrés au sein du musée de zoologie. Voilà, et je suis archéologue de formation. Eh bien, je n'ai pas vu de traces d'impact de balle. Si on pourrait dire qu'il a été chassé, mais une balle dans la tête, par exemple, ou une balle dans le top avec une côte fracturée, mais je n'ai rien vu. À la limite, il y a ici à sa jambe. Ah oui. Cette fameuse fracture, là. Mais c'est pas vraiment. On ne voit pas d'impact de balle. Alors ici, peut-être. Ça, dans la mandibule. Peut-être ici. Mais alors si c'était pour l'achever, pourquoi dans la mandibule et pas dans le. Dans Parce qu'ils ont visé l'œil et ils ont raté. Ah oui, il a beaucoup souffert. Pauvre bête. Une balle dans la tête. Peut-être dans la mâchoire. Une patte fracassée, des côtes entaillées. C'est une honte de tuer des rhinocéros parce qu'ils sont en voie de disparition. Le rhinocéros est évidemment chassé pour sa corne qui a de fausses vertus. Enfin, on lui attribue des vertus aphrodisiaques, mais ça n'a pas l'air d'être vrai. Et pour éviter cela, comme la corne est en fait formée de kératine comme des poils ou des cheveux, on peut scier sa corne sans douleur. Et pour protéger les rhinocéros, actuellement, c'est ce qu'on fait. Parce que sans ça, ce sont les Chinois qui utilisent la poudre de la corne de rhinocéros dans des remèdes. Et notamment comme aphrodisiaque, mais ça, ça a été démontré que ça ne marche pas. Est-ce que tu crois que mon plumage est exposé à tout jamais à l'université pour la postérité? Alors moi j'ai empaillé une magnifique oie avec ma collègue Zoé Jadoul. Et nous avons fait quelque chose de magnifique. C'est la pièce principale du musée. Mais elle est dans les réserves. On peut la voir, mais on a dû s'en débarrasser parce qu'elle sentait très mauvais. Elle n'est plus là. Non, son odeur était trop nauséabonde. Donc, nous avons soupçonné une tumeur ou une infection de l'animal. Et on a dû s'en séparer. Ah oui, de toute façon, il faut évider l'animal à partir de l'anus. On découpe tous les mésentères, on retourne la peau comme un doigt de gant jusqu'au museau pour la petite souris, pour un mammifère, jusqu'au bec pour l'oiseau. Puis on curette le crâne pour enlever le cerveau, on enlève les yeux. Et puis on essaye avec cette espèce de chaussette de refaire un animal. Maintenant on vend des formes en frigolite et on peut acheter une forme sur laquelle on retend la peau. Mais si on n'a pas la forme en frigolite, soit on la sculpte, soit on doit la refaire avec de la paille, de l'ouate, de mastic, des choses comme ça. Dis, est-ce que tu crois je vais mourir, endormie par les soins de Thierry, dans une boîte en plastique, remplie de gaz carbonique. Thierry a des occupations plus étranges que moi. Ben là, je prépare les blattes qui sont destinées aux dissections des étudiants en biologie. Et je les endors avec du gaz carbonique et puis je les trie par sexe. Eh bien parce que lors de la séance de dissection, les étudiants auront alternativement
un mâle, une femelle, un mâle, une femelle. Comme ça, chacun qui dissèque un des genres pourra regarder chez son voisin le sexe opposé. Voilà la raison. Elles vont aller au congélateur jusqu'à la rentrée académique prochaine. Elles vont mourir. C'est dramatique.